Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Grand rendez-vous exceptionnel ce soir pour qui veut gagner des millions au profit de l'opération des pièces jaunes que vous connaissez, cette opération qui se déroule comme chaque année, cette année jusqu'au 28 février. À côté de moi, des amis qui bientôt seront des ennemis, car vous l'imaginez, je vais leur poser des questions et je voudrais qu'on les applaudisse car ils ont eu le courage d'accepter mon invitation, car leur réputation est en jeu. Qu'on applaudisse tous les candidats qui sont là ce soir, s'il vous plaît. Candidats exceptionnels qui seront traités comme vous, qui êtes là en temps normal, en tant que candidat de qui veut gagner des millions. Pour jouer avec nous ce soir, voici Véronique Jeuneste, Jean d'Ormesson, Mathilde Seigné, Mimi Mati, David Douillet, Gérard Jugnot, Marc Lavoine et Michel Leeb. Depuis de longues minutes, mes amis ne cessent de me dire « Aide-nous, fais quelque chose, lance-nous une perche, fais-moi un signe. » La réponse est non. Voici pour les pièces jaunes, et je pense que vous allez mettre beaucoup de cœur à répondre à ces pyramides de questions et à tenter, pourquoi pas, 1 million d'euros. Voici les premiers candidats de ce soir. Je vous demande d'accueillir Mimi, Mati et David Douillet. Ça va, Mimi? On verra tout à l'heure. T'es confiante ou pas? Pourquoi c'est nous qui commençons? C'est parce que c'est le plus grand? Parce que c'est le plus grand, parce que c'est le plus fort. Bon, d'accord. Je ne me laisserai pas impressionner, David. En forme? On va voir. Moi, je suis en forme, ouais. Alors, en route pour les millions. Ça va aller, le principe est le même que pour des candidats traditionnels de qui veut gagner des millions. Oui, c'est bien ce qui nous fait peur. Voilà. Vous êtes en couple, c'est toi, Mimi, qui devra dire c'est notre dernier mot, qui devra valider les réponses. Après, vous êtes concertés tous les deux, bien évidemment, si le besoin s'en faisait sentir. T'inquiète. Merci en tout cas, parce que Mimi était au théâtre hier soir encore. C'est bien de se lever pour certains d'entre vous, c'était le cas. David aussi, donc merci. Théâtre, oui, bah, je suis venu te voir. Non, mais c'est pour une noble cause. C'est au 2 jazé jusqu'au 27 avril. Oui, voici ça. La pyramide des gains qui vous attend. Attention. Première question, 200 euros. Premier palier, 1500. Deuxième palier, 48 000 euros pour en arriver à 1 million d'euros, c'est-à-dire 6 559 570 francs. Pour les pièces jaunes, David, ça doit vous faire plaisir, ça. Oui. On peut passer directement au dernier? Non. Oui, c'est notre dernier mot, le trio, là. Trois jokers, le 50-50, l'appel à un ami et le vote du public. Le public qui est là, bien entendu, pour vous encourager, mais également pour vous aider. Si on ne sait pas, c'est ça. T'as des amis, toi? Beaucoup. Oh, ça va. Mais ils sont... Ils sont bêtes, oui. Vous êtes fixés... Les gens que je connais, ils ne veulent pas être amis avec moi. Oui, c'est pareil. Vous êtes fixé un objectif, non? 1 million? Bah oui. Ok. Voici, avec Mimi et David, qui veut gagner des millions? Nous. 200 euros. En général, les chiens aiment ronger leurs ongles, les carottes, les os, leurs freins. Putain, c'est dur, on peut prendre un joker? Moi, je dirais... Faut qu'on appuie sur quelque chose? Sur rien. Ah bon, d'accord. Bon, t'es d'accord pour qu'on dise 3? Je sais pas. Si, mais les 5 premiers, on peut y aller, alors vous dites non. Oui, 3, allez, 3. En fait, c'est-à-dire 3 ? Les os. Les os ? Bah oui. Bonne réponse, bravo. Oh, super. Question pour 300 euros. Déjà, l'honneur est sauf. Que dit souvent Christian Clavier dans Les Visiteurs ? Correct. My name is Bond. C'est cela, oui. C'est OK. 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 C'est OK. Réponse donc 4. La 4. 4. Bonne réponse, OK. Question à 500 euros, la troisième, là aussi. Quel est le but du jeu appelé bataille navale? Ramer très vite, couler des navires, capturer le mousse, trouver le capitaine.
peut-être la 2, non? Oui, on va dire la 2, couler des navires. Bonne réponse, en effet, couler des navires. Vous avez fait le questionnaire extra pour nous? Oui. Non, non, mais ça va se compliquer. En principe, les premières questions non, sont... Ah non, ça peut rester comme ça. Moi, ça ne me gêne pas. Ouais. C'est bien comme ça. Moi, c'est... J'assume totalement, moi. Aussi, hein. Franchement... Voici pour 800 euros la question. C'est nickel. Oh là dans là. La littérature enfantine, la petite fille dotée d'une force surhumaine et petite fille... Moi aussi, je sais. Oui, je le sais. Ouais. Brin d'acier, fil de fer, bille de plomb, lingot d'or. Brin d'acier... Brin d'acier. Une fille brin d'acier, oui. Bonne réponse. Oui, oui, oui. Bon, en littérature, on est incollable. Ouais. Si. En littérature, vous êtes incollable, bravo. Ah ça, moi, dès que c'est de la littérature, Il y a M. Dormesson qui a essoufflé, il s'était trompé. Voilà, c'était pas on ça. Ne souffle pas, car c'est éliminatoire. Voilà. Si vous répondez bien à cette question, vous arriverez au premier palier de 1500 euros, environ 10 000 francs. La voici. Dans Alexandrie, Alexandra... La Barracuda. Claude François. Ah, ouais. Oh, pardon. Mais ça, c'est bonne réponse. Dit avoir plus d'appétit qu'un boa. Non. Mais non. Piranha. Non. Barracuda. Anaconda. Barracuda. La 3. La 3. En grande chanson française. Eh bien, bravo. Premier palier latin. Oh, d'accord. Alors, déjà. 1500 euros, ce qui fait 9 839 francs, mais vous alliez me le dire. Oui, on ne peut pas rebondir ? Non, non, pas pour l'instant. D'accord. Voici la question qui vaut 3000 euros. C'est à partir de là qu'on devient ridicule. En 1950, Marilyn Monroe fait ses débuts dans le superbe film noir « Quand la ville s'éveille, dort, merde, s'anime, tremble ». Vous avez entendu ce que j'ai... Oui, oui, oui. Non, mais je connais les hommes préfèrent les blondes, mais c'est pas dans la question. Mais c'est pas... Elle s'éveille ou elle dort, la ville quand bah, de toute façon, elle fait l'un et l'autre. Faut choisir, quoi, c'est tout. On se... Oh là là, bah, alors ça, quand la ville... Pardon, c'est, non, non. C'est moi qui regarde. Pardon, excusez-moi. Non, non, je sais pas ce que... Je c'est pas... peut-être ça, alors. On prend 50-50. Allez, on prend 50-50. La dort. Non, non, dort. Non, non, c'est dort. Il c'est faut dort. Tenter, regarde. On est là. Attendez, 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 parce que... Attendez. Si vous tentez que c'est pas ça, moi, je veux bien. Mais enfin, ensuite, vous avez une vie après qui veut gagner des millions. C'est-à-dire que dans la rue, les dort. Colibés... C'est les... pas grave, parce qu'il y en a plein comme nous qui se trompent. Moi, et qu'on n'a pas honte de se tromper, c'est humain. Voilà. C'est pour les c'est un film noir, donc la ville, elle s'éveille pas, elle dort. Voilà, c'est c'est votre dernier mot? Oui. Oui. Deux. Dort. Oh, là, je vais gros. On est ridicule. Oui, je sais. Surtout toi. Ah bon? Le film de Marilyn Monroe en 50, c'était « Quand la ville dort voilà ». Non, je ne connais pas. C'était pas sympa comme question. Un film de John Huston. Très bien. Ah ben, je ne le connais pas. Moi non plus. 6 000 euros. Question. Orthographe. Oh là. Oh là. Ce que redoute Jean Dormesson. Laquelle de ces orthographes est correcte? Tachycardie avec deux non, C et un Y. C'est pas ça. Tachycardie CHY et deux C ensuite. Tachycardie 2 C H Y et tachycardie CHY. C'est quand le cœur bat trop vite. Hein? On peut pas dire quand le cœur bat trop vite. Parce que ça, je sais l'écrire. Hein, parce que c'est pas. Non, mais ça n'existe pas deux C partout. J'ai jamais vu ça. Moi, je dirais CHY. Moi, je dirais le. Il y en a trois de CHY. Non, non, pas deux CHY. Ah oui. Non, non, le. Dans toutes les autres, il y a deux C et deux C. Ça me choque, quoi. Deux C, ça me choque. Moi, je pense que c'est la 4. Moi, je dirais tout simplement la 4. On est des gens simples, on dit une simple. C'est votre dernier mot? Oui. Il est méchant. Dans ce jeu, il n'y a pas de chronomètre. Il faut savoir utiliser le temps. Bah oui, mais, là, bah, mais alors bon, mais... Alors, c'est pas notre dernier mot, réfléchis. Si, 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 c'est trop notre tard. Dernier mot. Moi, je le sens la réponse que... était la réponse 4 yeah. Vous avez 6 000 euros, presque 40 000 francs, c'est très bien. Voici la huitième question pour 12 000 euros. Dans les trois mousquetaires de Dumas, Milady était la femme d'Athos, de Porthos, d'Aramis, de D'Artagnan. Je croyais qu'ils étaient célibataires, moi, déjà.
Ils n'étaient pas homosexuels, les quatre, là? Non. Ah, je croyais qu'ils étaient... Ça n'existait pas, les potes. Je croyais qu'ils étaient tous ensemble, ça n'existait pas. Alors... Oh, le plus beau, c'est lequel? Bah, ça dépend qui c'est qui joue le rôle. Moi, je les ai pas connus en vrai, hein, mais j'ai pas... Alors, Milady, avec qui elle est, cette fille-là? C'est un truc qui se rapproche d'une boisson, genre Portos Non, c'est pas un indice, c'est juste... Non, on n'a rien le droit de dire, d'accord, ok. Non, j'ai bien compris. Alors, c'est un des quatre, de toute façon, ça, c'est sûr. Bien, vous êtes sur la bonne voie, Mimi. On va peut-être demander un joker, là. Alors, parce que là, si on se trompe, on redescend, c'est ça? Oui, on redescend à 1500. 1500, oui. C'est-à-dire que pour l'instant, vous avez 40 000, vous pouvez retomber à 10 000. N'oubliez pas que l'objectif, c'est la formation des pièces jaunes sans les gamins. On a une petite aide, là, vite fait, non? Prenez 50-50, déjà, pour... non, ou le public, comme vous voulez. Oh, le public. Ou... Allez, on prend le public. Non, c'est toi qui décides, t'es plus... 50-50, c'est... Il nous en restera deux, alors ça va pas nous avancer, parce qu'on sait pas. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous savez aucun des quatre, vous saurez ensuite aucun des deux, comprenez? Voilà, donc moi, je prendrais bien le public, parce qu'ils ont l'air assez cultivés. Si le public se trompe, comment faire? Mais ils vont pas se gourer, ils ont sélectionné. Vous pouvez ensuite enchaîner, vous pouvez valider ou ne pas valider le choix du public. Ah, d'accord. Vous verrez s'il y a une... C'est pas le public qui décide à notre place. Non, après on prend ce qu'on veut, on n'est pas du tout... Vous savez, non? Ils répondent pas. Alors, allez, on prend le public. Allez, on prend le public. Public à votre télécommande, s'il vous plaît. Voici la question dans les trois mousquetaires de Dumas. Milady était la femme 1 d'Athos, 2 de Porthos, 3 d'Aramis, 4 de D'Artagnan. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Oh là là. Oh les vaches. C'est vrai qu'il y a un énorme écart, hein, ça, c'est énorme. Voilà. On n'est pas plus avancé, merci bien. Eh bien, se détache avec 33% Aramis. De toute façon, on va dire le 3, ça sera pas notre D'Artagnan. Je suis pas sûr. Là, moi bah, j'enchaînerai maintenant sur un 50-50. Ah, parce eh oui, on peut utiliser un peu. Parce que ça on grille toutes nos cartouches aussi. Après, ça va être des questions faciles, après. On saura. Oh, moi, je suis pas du tout sûre que c'est Aramis. Hein. Je suis pas sûre du tout. Parce que D'Artagnan, je sais pas s'il se l'est pas tapé, Milady. il y a bien trop de se taper, Milady, D'Artagnan. Hein. T'as bien raison. Hein. C'est le plus célèbre, c'est le plus connu. C'est le plus... Allez, c'est lui qui se le fait. Je pense que c'est la C. Pas de risque, hein, pas de risque. C'est toi? Ouais, la 3. On fait 50-50. Non, on va attends, il nous dit de faire 50-50, c'est que... Mais attends, mais il est là pour nous influencer dans le mauvais sens, c'est un échange. Non, pas du tout, on va gagner. Il est méchant. Et retenez-moi parce que je... Surtout, ne bougez pas. Non, moi je demande le... Excuse-moi chérie, c'est moi qui décide. 50-50. Voilà. Hop là. Oh. Allez. Ordinateur, s'il vous plaît, voulez-vous retirer deux mauvaises réponses? Oh, ça va pas nous aider parce qu'on est fêté. On a eu chaud, hein. Bon, Portos, il est trop gros, hein. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Athos, peut-être. On revient de loin. C'est lequel le gros? Ben, ça dépend qui c'est qui le joue. En fait, merci le public, hein. Super. On peut bien compter sur vous, hein. Voilà. Sympa, les gars. Ils ont bac moins 10 tous là, hein? Ouais. Oh ben non, on va pas tout gré. Non, moi je dis à tous. Oh putain. Avec la même conviction que tu disais D'Artagnan, c'est ça? Il est à... Hein, c'est dingue comme. Enfin bon. C'est Portos, c'était celui qui était. Ouais, mais n'empêche que... Ça a des charmes. Ah, je sais que les femmes aiment la sécurité, le confort, le... Je suis bien placé pour le savoir, en plus. Ouais, moi aussi. Bon. Oui, c'est vrai que vous... Ouais. Tu dirais Portos. C'est peut-être Portos, hein. C'est peut-être Portos. Quelle est votre intuition? J'en ai pas, moi. Alors, c'est bien simple, j'ai pas d'intuition. Portos? On dit Portos? Solidarité des gros, je veux dire Portos. Portos. Ah, mais après, on est mort, on est... C'est pas de... Athos, ce serait Athos? C'est un des deux, hein. C'est pas... C'est un des deux. Je me demande s'ils étaient pas tous ensemble, d'ailleurs.
Cette époque-là, ça fonctionnait bien. On va appeler. Allez, on appelle. Ah. Qui appelle-t-on? Benoît. Qui est-il, Benoît? Benoît, c'est un de mes amis avec qui je travaille. C'est un de ses amis avec qui il travaille. Voilà. D'accord. Non, mais puis c'est plein de choses. Je pense que je peux compter sur lui, j'espère. C'est vrai que s'il a des encyclopédies ouvertes, il y a un qui commence par la lettre A. Ben, ouais. Maintenant. Allô? Benoît? Oui, Benoît. Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault qui veut gagner des millions. Vous allez bien, Benoît? Oui, bien vous. Vous êtes un ami et vous travaillez avec David? Oui, tout à fait. J'en étais sûr. Nous sommes ici avec Mimi Mati et ils ont besoin tous les deux de vous. Oui. Vous êtes prêts à écouter attentivement la question? C'est Mimi qui va la poser. D'accord. Alors attention, voici la question. Alors, Benoît, dans les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, Milady était la femme d'Athos ou de Porthos? Athos. Mais comment c'est? Sûr, 100%. 100%, Athos. 100% sûr. Oh Benoît, je t'embrasse, merci. Je vous en prie. Merci les gros, Attendez. C'est la femme d'Athos. Je connais bien Benoît, c'est un ami avec qui il travaille. Non, mais il est très très fort. Franchement. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, enfin, Athos. Milady était la femme d'Athos! Le dernier auquel vous auriez pensé. Exactement. Ah bah oui. Hein, parce que vous disiez Porthos. Porthos, Aramis, oui. D'Artagnan. D'Artagnan. On les a tous fait sauf Athos. Mm. Donc on a bien fait d'utiliser ces trois cartouches. Redoutable agent du cardinal de Richelieu. Et maintenant tu l'écouteras ta Mimi. Mm. Ah, voilà. Vous avez 12 000 euros. Bah, voici la question qui vaut 24 000 euros. Qui a écrit les paroles de la célèbre chanson « Il est 5 heures, Paris s'éveille » ? Jacques Lanzmann, Boris Bergman, Jean-Loup Dabadie, Pierre Delanoë. Moi, je dirais Jacques Lanzmann. La moi, 1. Je n'en sais rien du tout. C'est Jacques Lanzmann, là. C'est votre dernier mot? Oui. Je te l'annonce. Je te laisse faire. C'est le dernier mot de Mimi. C'est vrai que Lanzmann écrivait beaucoup pour Dutronc. Mais pas celle-là. si. Non, si. Moi, je le sens bien, lui. Je sens bien. Et celle-là aussi. Pas mal. Oh, t'es fort, t'es fort, t'es fort. C'est ma copine, hein. Il a écrit, Jacques Lanzmann, cette chanson avec son épouse d'alors, Anne Ségalène. Bah, j'allais le dire. Mais ça, on n'était pas obligé de le savoir. Non, ça va. Vous avez 24 000 euros. Alors, Mimi David, si vous répondez bien à la question qui vient, vous aurez, quoi qu'il arrive, plus de 300 000 francs. C'est-à-dire 48 000 euros. C'est vrai. Donc, c'est considérable. Hein. Mais attendez, il faut bien répondre à la question que voici. Le deuxième tome de la série des Harry Potter s'intitule Harry Potter et la crypte mystérieuse, chambre des secrets, cabane aux sorcières, courgette magique. Aucun des quatre. C'est qui Harry Potter? Ah bah d'accord, avec tous les enfants que t'as toi. Attends, c'est un des quatre, c'est sûr. Alors peut-être procéder par élimination. Vous n'avez plus de joker, hein, puisque vous non. Avez... Ça, on sait. Hein. Oui. Ça, on l'a bien su. Oui. Merci, D'Artagnan. Par élimination, je ne sais rien, mais qu'est-ce qu'on peut éliminer là-dedans? C'est peut-être la chambre des secrets, ou la cabane aux sorcières, ou la crypte aux sorcières, ou la crypte magique, ou la chambre des cabanes. Ou la courgette cryptée. Pourtant, je les ai achetées à un paquet de mes filleuls, ça. J'aurais dû apprendre les titres. Alors, la première intuition, c'était quelle réponse? J'aurais dit la chambre des secrets. Non, c'est pas ça. Hein. Non. La crypte, ça pouvait être aussi pas mal. La crypte, la cabane, ça fait assez enfant, tu vois. Ou la cabane aux sorcières? La cabane aux sorcières. Peut-être la cabane, hein? Peut-être que c'est pour les mômes, allez. Si on dit la cabane aux sorcières, ce que tu nous dis, c'est votre dernier mot. Ne le dis pas parce que ça veut dire. J'ai simplement un truc à vous dire, sans vous influencer. Par la force de l'habitude, généralement, la première intuition est souvent bonne. C'est la chambre des secrets. C'était ça que j'ai dit en premier. Oui, je crois. Tu vois, tu m'écoutes pas. La chambre des secrets. Ah, la chambre des secrets. C'est un endroit où on peut dormir.
Allez, la chambre des secrets. De toute façon, on sait pas, hein. Non. Lâche. C'est votre dernier mot ? La chambre des secrets. Oh là, ça c'est votre dernier mot ? Ben oui. C'est insoutenable, hein, je vous le dis tout de suite. Vous auriez dit la courgette magique, ça n'était pas la bonne réponse. Et en plus, il est vicieux. D'accord. On va tous les faire comme ça. Vous auriez dit la cabane aux sorcières, ça n'était pas la bonne réponse. D'accord. Vous auriez dit la crypte mystérieuse. Ce n'était pas la bonne réponse. Alors là, chapeau, puisque pour les pièces jaunes, vous avez 48 000 euros, c'est-à-dire 314 000, franchement, 859 francs. C'est, ça en fait les pièces. Hein. Et je précise que les pièces jaunes, ce sont les pièces, les centimes des francs, mais les centimes d'euros aussi. Hein. Ah bah bien sûr. Hein, très oui, important. Absolument. Donc on prend toutes les pièces jaunes. Bah, je vous aime depuis deux secondes. Là. Merci beaucoup. Franchement. Ça s'arrête là. Là, aucun risque pour la question qui suit. Elle vaut 72 000 euros, c'est-à-dire presque 500 000 francs, la voici. Ah, mais quand même, hein. Mais donc, si on perd, on retombe à 48 000. Oui. Comment appelle-t-on le petit du corbeau ? Comment appelle-t-on le petit du corbeau ? S'agit-il du cornard, du corbillon, du cornillon, du corbilla ? Cornillon. Pourquoi ? Oh, bah, ne me demande pas pourquoi. Non, le corbillon, ça fait un peu corbillard, c'est pas ça. Le cornard, ça existe, mais c'est pas ça, un cornard. Non, ils ont rajouté un R. J'en connais beaucoup de cornards. Bah oui, c'est ça. Hein. Pas de référence à vos... Le cornillon, ça, moi je sens bien le cornillon. Non, tu sens oui, pas le cornillon. Moi je sens le corbillon aussi, mais le cornillon... Attendez, vous dites pas la même chose, parce que oui, l'une sent le cornillon, l'autre le corbillon. On va demander l'avis du public. Non, c'est fini. Avant, pardon. Je savais pas si tu t'en rappellerais. Et si moi je téléphone de mon portable, j'ai le strictement interdit. C'est nous qui payons la communication. Non, ça ne marche pas. C'est abandonne. Hautement répréhensible. Ah bon? Ah oui. Moi je dirais le cornillon. Je sens bien un petit cornillon. De toute façon, t'es en forme. De toute façon, on perd pas grand chose. On perd. L'objectif, c'est juste pas de pas perdre grand chose, c'est de gagner beaucoup. Oui, non, mais c'est... toi tu sens mieux le corbi et moi je sens. Non, moi je dis le cornillon. Tu sens le cornillon ? Non, vous sentez pas le cornillon ? Non, pardon, excusez-moi. C'est au cas où quelqu'un a eu envie de s'exprimer. Moi je sens le cornillon. Ou le corbillon ? Oh, il m'énerve quand il me regarde comme ça. C'est tellement longtemps que Jean-Pierre, je vous la connaissez la réponse, vous ? Non. Non. Mais le cornard, c'est pas mal. Mettre cornard sur un arbre perché. Allez, viens, mon petit, viens manger ton... Petit corbillon sur un arbre perché. Petit. Vous ne risquez rien, alors dites-moi... Bah, le cornillon, chose. Allez. Mais si, on risque. Ah oui. Faut toujours voir plus haut, quand même. Enfin, là, je ne veux pas... Le cornillon ? Tu sens pas le cornillon ? Chérie, fais-moi confiance. Moi, je dis le 3, le cornillon. Non, je dis pas le 3. Est-ce que tu dis pas tout de suite ? C'est votre dernier mot. Ouais. Alors, le cornard ? Alors, attendez. Ne me pointez pas, parce que... Non. Moi, je ne dis strictement rien, je reste impassible. Jean-Pierre. Bibi, c'est impassible. Pas, allez, vas-y, nous... Le... Comment s'appelle le petit du corbeau, cornard, corbillon ? Oui, mais ça, la question, on l'a bien. Hein, c'est... La question, il n'y a aucun souci. Comment s'appelle le petit du corbeau, là ? Ce qui nous pose un problème, c'est la réponse. Alors, on va dire que c'est le... Comment il s'appelle, ce con ? Comment ça peut s'appeler, hein ? Ah, c'est pas con, c'est cornard. On dit le cornard, je sais que ça existe, mais je sais pas ce que c'est. Mais moi je sais, mais. Mais le cornard, ça fait pas bébé, ça fait grand con, quoi. Ça fait pas. Non, c'est en yon, mais ils ont peut-être mis des yons pour nous perturber, tu vois. C'est exact. Ah, alors attends. Merde. Non, je ne dis rien. Et les nards, c'est pour nous indiquer la voie ? Merci Jean-Pierre.
Donc non, c'est non, 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 je ne dis rien, franchement. D'accord, non. D'accord. Non, non. Non, mais on a compris quand même. Non, non. On dit quoi? Le message est bien passé quand même. Non, mais attends, j'ai rien dit. Non, non, il a rien dit. Si c'est en yon, tu vas t'en prendre deux, toi. Ah non, non, attends, Le cornard. Moi, tu vois, je le sens bien. Parce que le corbillard, c'est pas terrible. Le cornard, ça se dit, quoi. Le cornard, ça existe. C'est peut-être absolument pas ça. Allez, le 1, le cornard. Allez, on jette. Cornard. Allez, le 1. Non, attends. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Le corbillard, c'est attends, sympa, regarde, hein, le corbillard. Non, le corbillard, c'est... J'aime... Non, le corbillard, c'est nul. C'est... Moi, je... Corbillard, c'est... Moi, je pense que ça, on l'élimine. Si on élimine cornillon, les deux ions, il ne reste plus que l'autre. Le cornard. Et puis... On est pas trop long, là. On a toute la soirée. D'accord, OK. Donc, Corbillard. Non. Il a fait... Non, j'ai rien fait. Corbillon. Cornard. Le cornard, allez, le hop. Ouais, voilà, un, le cornard. Attends, ils ont fait... Le cornarion, le cornarion. Alors. Vous avez pas fait un... Si, vous avez fait un... Comment s'appelle le petit du corbeau? Une réponse, c'est votre dernier mot? Attends. Le cornard. C'est votre dernier mot? Ouais. Oui. D'ailleurs, c'est peut-être de là où est venu le reste. Sans le R. Oh, la tête qui fait. Le petit du corbeau. Non, mais ouais. C'est bon, c'est mort. C'était... Oh ! Le corbillard. Le corbillard. Un cornard, c'est un homme trompé. Le cornillon, c'est le squelette de la corne des ruminants. Et un corbillon, c'est un jeu de société ou une corbeille. Mais franchement, vous avez été exceptionnel, puisque vous avez gagné 48 000 euros, 314 859 francs. Bravo Mimi, bravo David. Bravo. Nouvelle performance maintenant, je l'espère, avec Mathilde Seigné et Gérard Jugnot. Et j'entends depuis 10 secondes, je veux pas y aller. Moi, je veux pas y aller. Mais Gérard, il va tout savoir. Non, mais j'ai fait sous moi, là, vous voyez. Oui. Ah, après Mimi, c'est dur. Hein. Alors, allons-y. J'ai peur que cette émission passe, qu'on change de titre, c'est qui veut passer pour un con. Voici les millions. Allons-y. Heureusement, comme dit Mathilde, c'est pas très regardé. Oui, c'est pas très regardé comme émission. Pas du tout. C'est vraiment entre nous. Mais il est bizarre, le siège. Il paraît que vous êtes une vraie fan de Qui veut gagner les millions. Ah, moi, je regarde tout le temps, j'adore. C'est vrai? Ah ouais. Vous jouez à la maison, c'est fastoche, hein? Ouais, pas, mais pas quand toujours. Même. Non, pas toujours. Pas toujours. Là, vous auriez pu répondre à toutes les questions des. La de première. De... Bien. Et je me serais arrêté d'ailleurs. Hein, on serait arrêté là. Ah non, moi non. Gérard, faites une nouvelle carrière de chanteur, on va le voir au resto. Vous voulez nous chanter un petit quelque chose? Non. Personnellement, je préfère. Non. Vous voulez pas, c'est Mimi. Qui veut gagner les millions? Tu veux une carrière de chanteur? Bien sûr. Un coup d'œil sur la pyramide, que vous connaissez bien entendu. Bah, bien sûr, nous partons à 200 euros. Bien sûr. Pour grimper, 1500. 48 000 deuxième palier, et puis 1 million d'euros. Hein. Les jokers que vous ne manquerez pas d'utiliser. Il n'y a qu'un million, on ne peut gagner qu'un million. Oui. Pourquoi vous dites qu'il veut gagner des millions? Mais parce que vous êtes plusieurs à pouvoir gagner. Ah bon, je crois qu'on gagne des millions d'euros. Il tombe pas, le siège, j'ai peur qu'il tombe, je trouve qu'il bouge le mien. Oui, soyez renversante avec vos questions. Non, ça va, on y va. Voici donc, il y a les trois jokers, c'est bien sûr le 50-50, le coup de fil et puis le vote du public. Avec Mathilde et Gérard, voici qui veut gagner des millions. Allez, chérie. 200 euros, question. Selon la superstition bien connue, quel objet ne faut-il jamais ouvrir dans une maison? Un parapluie, une gourde d'alcool, un livre de cuisine,
Une trousse à outils. Ouais. Réponse, oui, c'est facile, un. C'est la 4. Ah non. C'est là la, la une. Bonne réponse, le parapluie en effet. Si on ne savait pas ça, t'imagines la honte. Je pense que. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête là. On va s'arrêter. Hein, parce que sinon, les pauvres enfants, c'est notre dernier mot. Deuxième question, 300 euros. Laquelle de ces propositions ne désigne pas l'une des célèbres aventures de Tintin ? Tintin au Tibet, Tintin en Amérique, Tintin au Congo, Tintin RTF1. Je rêve. Bah évidemment, la 4, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Oui. Attention, il y a peut-être un piège. Oui, oui. Non. Bonne réponse. Parce que TF1 n'existait pas à l'époque. Question pour 500 euros. Si l'on vous offre un yucca, vous aurez chez vous une magnifique perruche tchèque, pas vrai. Plante verte, ah, oui. Statue grecque, armoire en teck. Deux. Oui, je crois aussi, mais c'est-à-dire, je suis bien content. Oui, oui bien, sûr. Bien sûr. Bonne réponse, en effet. Oui. 500 euros. Mais ceci dit, c'était pas si facile pour la troisième. C'est moins facile que celle de Mimi et de David. Hein. 800 euros, question. Déjà, on se fait saquer. Continuez cette célèbre chanson. Voulez-vous danser, grand-mère ? Voulez-vous guincher, petit frère ? Rapper, mon cher ? Chanter, mon père ? Valser, grand-père ? Valser, grand-père. Quatre. Valser, grand-père. Ouais, valser, grand-père, oui. Bonne réponse, en effet, valser, grand-père. Tu préfères parler ? Non. Tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans. Alors, 1500 euros pour le premier palier. Voici la question, regardez. Comment appelle-t-on les habitants de la Gaule romaine ? Les Gallo-Romains, les Gastro-Romains, les Gallo-Romains, les Gallo-Romains. C'est une... C'est des questions spéciales. C'est un peu débile. Sur mesure, oui. Oui, la 3. La 3. Eh bien, bonne réponse. Les Gallo-Romains. Vous avez déjà presque 10 000 francs, 1 500 euros pour vous. On a déjà acheté un petit. Ça fait combien ? 9 000 et quelques ? Oui, c'est ça, 9 000 et quelques. Mais pourquoi c'est pas 10 000 tout rond ? C'est débile. Mais parce que c'est tout rond c'est en euros. C'est 10 euros, ça a changé. Ça a changé maintenant. C'est chiant ces trucs-là. Question. Alors là, ça commence à être. Ah, la sauce. La sauce qui entre traditionnellement dans la garniture des bouchers à la reine est. La sauce bancaire, la sauce boursière, la sauce financière, la sauce monétaire. Non, c'est une blague. Bah oui, c'est financière, je suis sûre, mais pratiquement. Mais oui, toi, c'est tellement bizarre, bancaire, boursière, ouais, financière. C'est votre dernier mot. Oui, je crois parce que là, j'ai jamais entendu parler de sauce monétaire, boursière. Oui, mais enfin, c'est pas une raison, parce que t'en parler de pas grand-chose, quoi. Alors, c'est votre dernier mot. C'est vraiment désagréable. Hein. Ils m'ont mis avec toi, je sais pas pourquoi. Hein. Oui, moi aussi. Financière, c'est notre dernier mot. Les bouchers à la reine, à la sauce financière. Imagine la honte. Oh, oui. 6 000 euros. Question. Lequel des Marx Brothers porte des lunettes et une grosse moustache ? Harpo, Chico, tu sais, ça ? Zeppo, Groucho. C'est la 4. Groucho. Ah, je sais pas. Ouais, Groucho, mais je sais pas ça. C'est votre dernier mot. Oui, ça, je sais. Je lui fais confiance. Oui. Je fais confiance à mon mari. C'est très mon nouveau mari. C'est oui, c'est mon notre dernier mot, Jean-Pierre. Oui. Elle le dit bien, ça. Je le dis bien, ouais, je connais. Hein. Je suis un peu le maillon faible, mais. Vous êtes le maillon faible. Et il y a la grosse moustache et les lunettes, c'est bien sûr Groucho. Bonne réponse. On se complète, en fait. Les gars. Question pour 12 000 euros, c'est la huitième que je vous pose, la voici. En géométrie, combien de faces un parallépipède compte-t-il ? 4, 6, 8, 10. Alors, c'est un parallépipède rectangle. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, il y en a 6. C'est 6, un parallépipède, c'est 6, mais... Je sais pas, ça. C'est votre dernier mot. 6. 6. C'est la 2. Oui. Bah oui, parce que. T'es sûr hein. Oui, je crois. Donc c'est votre dernier mot. Oui. Mais c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est ça qu'il faut qu'on dise. C'est pas 2, hein. C'est 6.
T'es c'est sûr, la réponse 6. Hein. Pas 2. Ça n'était pas 10. C'est sûr. Il recommence. Oh, putain. Mais vous avez été oui. dans les jeunesses nazies petit. Mais quand ça n'était pas 4. Non, ben ça veut dire que c'est bon. Quand il fait ça, c'est que c'est bon. Oui. Non, c'est, sinon, il serait. Ça n'était pas 8, c'était 6. Ah, je suis bien tombé, hein. 6 faces parallèles, 2 à 2. Ouais, mais attends, c'est bravo, pas. Gérard et Mathilde. Ah, mais ouais. T'es bon, hein. 24 000 euros, question. Non, mais c'est vrai, il est... En 79, dans Kramer contre Kramer, c'est. Qui est avec Meryl Streep? C'est facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est Dustin. Facile quand on est assis, hein. Dustin Hoffman. Après, là, moi. Al Pacino. Ouais. Robert De Niro. Harvey Keitel. Bon, c'est facile. C'est Dustin. Yes, Dustin Hoffman. Dernier mot. Oui, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Oui. Imagine. Là, c'est bien Jean-Pierre. Là, je suis content. Bah non, mais... Eh bien, Meryl Streep et Dustin Hoffman. Bonne réponse. On est pas mal. Alors, 140 000 francs. Je précise tout de même que ouais. vous en êtes à un niveau élevé, vous allez atteindre le deuxième ouais, palier, et vous n'avez ouais. toujours pas utilisé de joker. Ah oui, c'est vrai. C'est et eux, ils avaient déjà utilisé. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est... Non, c'est un mauvais esprit. C'est le maillon faible, ils se dénoncent entre eux. Voici la dixième question. Attends. Qui oh, était... Putain. Qui oh était Charlemagne pour Charles Martel? Oh, alors, ça y est. Son neveu, son petit-neveu. Vous pouvez répéter la question? Son fils. Qui était Charlemagne pour Charles Martel? Son petit-fils. Oh, putain, je comprends même pas la question alors. Tu sais ce qu'il faut, on va passer, on va demander déjà le 50-50, puis après on va poser la question à quelqu'un. Ah non, parce que ça fait deux jokers. Oui, mais là on est foutu. Si je puis me permettre, c'est essentiel pour atteindre le deuxième palier, sinon vous redégringolez à 1500. 50-50. Je crois que c'est son neveu, mais je suis pas sûr. Alors, faut appeler, non? D'abord 50-50 et après on appelle, comme ça. Non, appelle d'abord. Le mec, il peut être sûr, alors que là, 50-50, ça... En revanche, si vous appelez, il a que le choix. Il a que un choix, non, il faut faire 50-50, je te jure. Ouais. Fais-moi confiance. Ouais. Tu joues souvent? Oui, chez moi. Bon, bah, 50-50. Ordinateur. Mais il mène tout, il gère tout. Non, mais je te... Voulez-vous retirer deux mauvaises réponses, s'il vous plaît? Voilà. C'est vous qui aviez dit, je crois que c'est son neveu. C'est son neveu, donc voyez, j'ai bien fait de... Voilà. Alors, on est bien avancé, ça fait... C'est toujours la première intuition qui est bonne. Oui, hein. C'est ça. C'est atroce. Bon, là, donc, une fois qu'on a... Il faut que j'appelle, on aurait appelé Pierre Jouille. Voilà, deux jokers pour alors qu'on aurait pu avoir appelé Pierre machin et... Non, parce qu'il n'aurait pas su, forcément. Oui, mais là, t'as utilisé les 50-50. Tu la veux, celle-là? C'est pour les pauvres mômes dans les hôpitaux. Déjà, ça m'énerve quand je suis chez moi, là, je suis là, je le dis, quoi. Oui, parce que le public, ils sont nazes, hein, donc on va pas demander. Oh non, il est méchant, hein. Ah, ils iront plus voir j'ai tes entendu, films. J'ai entendu qui c'est, Charles Martel. Non, est-ce qu'on peut appeler Pierre? Je crois que c'était son petit-fils, mais je suis pas sûre, donc il faut... Oui, il m'a appelé, donc... C'est dégueu. On va arrêter le... Aucune confiance en moi, hein. Appelons un type assez balèze. Qui est-il? Pierre. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Non, Pierre Jouy, qui est quelqu'un que je connais en... qui travaille pour la Franche-Comté. Ah. Et qui est un type assez cultivé. Mais je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions. Qui m'a fait des repérages pour regarder. Non, mais c'est bien, c'est bien. Bon, dépêche-toi, on est à l'antenne. Alors, là, je ne sais va, pas hein. s'il va être là parce qu'il est sur. Je retire ma question. Attends, l'autre, il parle pendant deux heures. Voilà, je crois que je passe le monde. Tu trouves que je suis idiote ou quoi? Non. Mais non, on est foutus là. Oui, allô? Vous êtes Pierre, bonsoir. Oui, bonjour. Jean-Pierre Foucault à l'appareil pour qui veut gagner des millions? Oui. Je suis avec Gérard Jugnot, que vous connaissez bien, Mathilde oui. Seignet également. J'ai vu hier. Eh oui, ils ont besoin tous deux de lumière. Ah bon? Alors. Ah oui, Pierre. On compte sur vous. Mathilde va vous poser la question, écoutez, attention, la voici. Qui était Charlemagne pour Charles Martel, son fils ou son petit-fils? Charlemagne. Ouais. Son fils ou son petit-fils? Par rapport à Charles Martel. Attends. Oh là là. 15 secondes, vite. J'aurais pas dû. Alors là, t'es con. Son fils. T'es sûr, Pierre?
Non, non. Son petit-fils, pardon. Son petit-fils. Oh la vache. On n'est pas dans la merde, là. Merci, Pierre. Ouais, hein. Merci, Pierre. Je vous jette pas la pierre, Pierre, hein, mais bon. Bon, d'accord. Oh la vache. Merci, Pierre. Non. Tu vois, tu m'aides. Bah oui, mais alors, en tout cas, faire, en tout cas. Faire, toi. Attends, je t'écoute plus, sans déconner, je t'écoute plus jusqu'à la fin du Mathilde, jeu. Tu fais n'importe quoi. Je tiens à le remercier, car il a utilisé toutes les propositions qui lui sont offertes. Bah oui, bien sûr, c'est énorme. Bah moi, je dis son petit-fils. Il n'y a pas de gâchis. Je crois qu'il faut dire son petit-fils, mais là, on... Mais, non, mais il est... c'est incroyable, parce qu'on a perdu deux jokers avec ces stratégies-là. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Mais j'aurais pas fait ça, j'aurais téléphoné directement, déjà, tu en gagnes un. Et bah, il aurait dit... Bon, tais-toi, son petit-fils. Maintenant, je vais prendre un peu le truc, là. Alors, il a dit petit-fils, hein, c'est ouais, ça? Moi, je crois que c'est ton petit-fils. Mais... moi, je crois que c'est son petit-fils. Mais c'est pas votre dernier mot? Bah oui, c'est notre dernier mot, mais ouais. Je sais pas, là, on a les boules. Combien ça fait d'argent, déjà, là? On est mort. C'est trop tard, on m'a dit c'est mon dernier mot. Non, mais on redescend à combien? Non, 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 attendez, on descend. Si, vous l'avez dit. Attends, je crois pas, là. Attends, je vais lui coller un pain avant la fin, tu vas voir, boum. Non, mais c'est... Bon, alors... Il a dit son fils, son petit-fils... Non, il savait pas. C'est quoi? La réponse était... le petit-fils. Ah, en fait, c'est aussi le titre, une autre type d'émission, qui veut se brouiller avec ses amis. Oui. Alors... chapeau, quoi qu'il arrive, les 48 000 euros sont pour les pièces jaunes. J'aurais pu le dire tout de suite, son petit Fondation sans Hôpitaux de France, sans Hôpitaux rien. De Paris. J'ai les boules. Question à 72 000. En 2001, le célèbre Babar a fêté ses 50 ans, 70 ans, 90 ans, 100 ans. Oh, c'est vachement dur. Hein. C'est très vieux. Hein. Moi, je dirais 70. 70 ans, mais c'est pareil, quoi. Le risque est moindre, en effet, puisque vous avez déjà les 48 000 euros. Oui, non. Les 300 000 francs. Moi, je préférerais aller au-dessus, hein. Ah, ouais. 70 ans, moi, je dirais, mais bon. Il vous reste un joker à utiliser. Ouais, mais si ça se trouve, ça a 100 ans, Babar. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre? Oui, je sais pas. Ouais, je sais pas, gentil. C'est votre dernier mot? Non, mais il a 100 ans. Je suis sûr que ça a 100 ans, même. De notre temps, côté, si je puis me permettre, ne rentrez pas à la maison avec un joker, hein. Enfin, le public, il sait pas tellement plus que nous pour non, ça, non? Bah non. Ce n'est pas quelque chose de... Et on peut pas appeler? On peut plus appeler? Bah non, c'est barré. Non, mais Babar... 100 ans? C'est marrant, je dirais que c'est à 100 ans, Babar, non? On est en combien, là? 2001? Ah oui. On est en 2002, c'est là, depuis... 1901? Ah, ça pourrait être 1901. Ah, moi, je me dis, ça peut avoir genre... Parce qu'il a fêté... pas genre 50 ou 100 ans, pas genre 4, c'est 90 ans. En fait, pas des 90 ans ou des 70 ans. Ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois très bien, mais... Non, mais c'est pas si con ce que je dis, hein. Non, c'est pas con, mais ça nous avance pas bien, quand même. C'est pas 50 ans. Hein. 50 ans, ça voudrait dire 230. On peut demander l'avis du public, allez, hein. Public, allez, s'il vous plaît, là, prenez vos télécommandes, s'il vous plaît, public. C'est bon, là. Le célèbre Babar en 2001 a fêté A, 50 ans, 2, 70 ceux ans. Ceux qui savent, hein. 3, bien sûr, 90 ans. 400 ans, évidemment, ceux qui savent voter maintenant, c'est s'il vous plaît. C'est sûrement 50 ou 100. Ça, mais non, on n'influence pas. Ah ouais. Je suis con. C'est drôle, hein. C'est pas grave, on a déjà 300. Bon. Alors, il y a 63% du public qui nous dit que c'était 70 ans. Ça, mais ça se fête pas des 70 ans. Attends, ils ont dit ça. Là, il y a une vraie proportion. Tu vois. Mais comment ils savent que c'est 70 ans? Parce qu'on leur a demandé. Toi, tu le sais pas. Ouais, mais moi, ouais. Bon, alors d'accord. Alors, on va faire confiance au public, Jean-Pierre. Et vous dites? Bah, 70 ans, hein. Non? Bah oui. Là, il y a une vraie proportion, donc ça peut marcher. C'est votre dernier mot? Oui. Oui. Notre dernier mot, Jean-Pierre. C'était ce que j'avais dit en premier. Bah, t'auras raison. L'enjeu, c'est de passer de 48 000 euros à 72 000 euros. Alors là, vous allez faire genre un truc d'enfer, là. Vous allez pas le dire tout de suite, vous allez faire un petit truc et tout, non? Mais tu vas pas lui dicter. Nous allons nous retrouver dans quelques instants. Oh là là! Ah non! Ah non! Ça, c'est pas possible. Je trouve ça dégueulasse. Justement, à chaque fois que je suis devant l'émission, je dis non. Dans un instant, la réponse à cette question après une courte pause. À tout de suite. Voilà.
Qui veut gagner des millions spéciales pièces jaunes avec, pour l'instant, Mathilde Seigné et Gérard Jugnot, qui se débrouillent pas mal, puisque avec trois jokers, ils ont pu répondre déjà et atteindre la somme de 48 000 euros pour les pièces jaunes, c'est-à-dire 314 859 francs. La question en jeu était la suivante. En 2001, le célèbre Babar a fêté ses... Et vous avez validé le choix du public à 66%. 70 ans. Alors, il y a eu un litige amical entre vous en disant, en fait, pas les 70 ans. Mais bon, moi, vous êtes rangé. Je dis ça. C'est la démocratie. Hein. À l'avis du public. On peut changer encore ? Non. S'il y a eu la pub, alors. En 2001, le célèbre Babar a fêté... Ouais, je suis sûre que... C'est 70 ans ! Oh ! Alors, pourquoi tu m'as dit on fait pas la tâche ? Oh, bah merci, alors, hein. Merci. Ah, j'étais sûre que non, moi. Qu'est-ce que vous disiez sur le public tout à l'heure? Je me souviens plus très bien. Ouais. Qu'il était très... naze. Ah, hypocrite. Merci, parfois, public. Et parfois très vous pertinent. Avez 72 000 euros, presque 500 000 francs. Voici la question pour le double. Mais c'était mon... Pas pour le double, pour 100 000 euros. Ah, pourquoi il n'y a dans pas des questions show, de chansons? Comment s'appelle l'aigle? Gonzo. Ah. Scooter. Moi, je voulais une question différente. Sam. Waldorf. On peut pas avoir une autre question? Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité qu'il soit? Ou vous répondez ou pas. Ouais, si vous ça, ne répondez pas, ah, vous avez perd, 472 000. Non mais, si vous dites je m'en vais, vous partez avec 472 000. Par nous? Non. Non, non, pour le, ah les bon. Pièces jaunes. Ah bon, je... Non, non, non. Ça fait beaucoup de pièces jaunes, ça, tu sais. Ça fait beaucoup de pièces jaunes. Là, on sait pas, il faut sauf que... si vous savez. On est content d'être là, de, poser, de répondre à des questions, mais il y a un enjeu. Non, non, faut pas, si faut pense. Pas. Moi, je sais pas. Alors, le Muppet Show. Moi, je dirais Gonzo, mais je suis pas sûr du tout. Donc, donc voilà. Arrêter, là. Faut... Qu'est-ce que vous si faites? On était sûr, on y allait. Oui, mais là... on n'est pas sûr. Avec ma femme, on n'est pas sûr. Donc, vous vous arrêtez? Ouais, on s'arrête. Ah, non, on s'arrête parce qu'on a déjà. C'est bien. C'est déjà bien de l'argent. Hein. C'est votre dernier c'est mot. C'est bien de l'argent. Oui. Ah, c'est oui, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Eh bien, bravo. Bah, on est eh bien, bravo. Vous gagnez. 72 000 euros, presque 500 000 francs ajoutés aux sommes gagnées par Mimi et David. Alors regardez la question. Allez, l'intuition vous aurait porté vers... Gonzo, moi. Gonzo. Mais... Alors on affiche Gonzo. Et la réponse était... Regarde, Sam. Ouais. Ah, bon, merci voilà. Mathilde, merci Gérard. Bravo. Et ça n'est pas terminé. Et c'est tant mieux. Pour jouer avec nous maintenant, voici Marc Lavoine et Jean Dormesson. Est-ce que vous connaissiez l'aigle du Muppet Show, monsieur Dormesson, ou pas, non? Pas du tout. Et je n'aurais pas dépassé, je pense, dans les deux cas, la troisième ou la quatrième question. Parfait. Marc, voilà. Moi, je savais que c'était Gonzo. Il savait évidemment que c'était Gonzo. Ah, je vous en prie, c'est à vous. Allons-y, on fait mon spectacle. Ça va, non? Ça va? Ça va. Dans les cas de grandes émotions, je vous autorise à mettre la tête sur mon épaule. Il paraît que vous redoutez, Jean, il paraît que vous redoutez les questions d'orthographe. Bah, c'est-à-dire, j'aimerais mieux tomber sur l'aigle des Muppet Show que sur l'orthographe ou sur le petit-fils de Charlemagne. Ça, je le savais, le petit-fils de Charlemagne. Vous le saviez, oui. Mais, Athos, vous le saviez tout à l'heure? Eh bien là, j'hésitais entre Aramis et Athos. Ouais. C'est vrai qu'Aramis, il était chaud aussi. Ouais. Bon. Oh non, mais j'aurais pas dépassé la quatrième ou la cinquième la question. Pyramide. Mais enfin, je compte sur, sur ma moitié. Oui, oui, ma meilleure moitié. Quel beau couple. Voici la pyramide. 200 euros, la première question, bien sûr. 1500 euros, c'est le premier palier. 48 000, le second palier. Et enfin, les 6 559 570 francs. 1 million d'euros pour les pièces jaunes, pour la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. D'accord. Les trois jokers, évidemment, que vous utiliserez. Je demande pardon le premier, le second et le public. Pardon, Jean. Je demande d'avance pardon aux enfants et aux pièces jaunes. Non, non. L'objectif étant de faire mieux que les couples qui vous ont précédé. Voici, avec Marc Lavoine et Jean Dormesson, qui veut gagner des millions.
Que portent les escargots sur leur dos? Un sac de voyage. Une coquille. Un gilet pare-balles. Une valise. La deux, donc. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean? Oui, Martin, tu peux répondre. Ça me paraît convenable. La deux. La coquille. La coquille. Bonne réponse. Deuxième question. Quand on agit maladroitement avec quelqu'un, on dit familièrement qu'on le prend à rebrousse-poil, un poil près, pile-poil, poil laineux. La une, oui, la rebrousse-poil. Oui. Excellente réponse, bravo. 500 euros question, la voici. Dans le langage des jeux, une combinaison de deux cartes de la même couleur, de la même valeur, pardon, forme un jumelage, un couple, une paire, un doublé. C'est comme nous, Marc. Une paire. Une paire. Une belle paire. Belle paire. Bonne réponse. 800 euros, quatrième question. La voici. Dans les années 70, Stone et Chardin chantent « L'aventura, c'est la vie » de Pacha, « Que je mène avec toi, hors de la Casbah, loin de toi ». La 2, « Que je mène avec toi ». Excellente réponse, confirmée par Jean, évidemment. Premier palier, 1500 euros. Je crois que je vais vous demander l'autorisation de m'en retirer. Non. Laquelle de ces propositions ne désigne pas l'un des sept péchés capitaux? La colère, la paresse, la gourmandise, l'humour. L'humour. La 4, l'humour. L'humour. Je parle assez fort, là. Premier palier, pas du tout. 1500 euros. L'Académie nous regarde. Voici la question qui vaut 3000 euros. Lorsque La Fontaine parle de la jungle trotte-menu, quels animaux évoque-t-il? Les souris, les fourmis, les tortues, les lapins. Alors, je crois qu'on peut éliminer, je vois bien. Je pense qu'on peut éliminer les tortues et les fourmis. On peut prendre un joker. Hein. Je pense que c'est la jante trotte-menu. Je crois que c'est les souris. C'est votre dernier mot? Évidemment, ça pourrait être les lapins. La jante trotte-menu. Je crois que c'est les souris. C'est votre dernier mot? Souris. C'est les souris, d'accord. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. On se plante. Non, on ne peut pas se planter, c'est pas possible, Jean. Vous hésitiez entre les lapins et les souris, n'est-ce pas? Vous hésitiez entre les lapins et les souris? Oui, j'hésitais entre les lapins et les souris. Ouais. La réponse était les souris. Bonne réponse! Le chat et le vieux rat, dans la fable, le chat et le vieux rat. Je voyais mal mon retour à l'académie si ça avait été les lapins. 6000 euros. Question. En science, Marc, le préfixe méga multiplie l'unité par 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard. Méga. Eh oui, je sais bien. Alors, méga. Oh, la racine ne donne rien, la racine c'est grand. Bon, donc alors... J'allais vous le dire. On comprend un joker, non? Je suis pas sûr, moi, vous savez, vous? On peut demander un joker. Lequel? Je pense pas que ce soit un milliard, je pense que c'est... Prenez le 50-50 pour commencer, c'est non? C'est sûrement pas le 10 000. J'hésite entre 100 000 et 1 million. Méga, je vais attendre 100 000 peut-être. Attendez, méga. Une mégatonne. Mégatonne, ouais, c'est 100 000. Hein? Ouais, c'est pas être 100 000, c'est qu'un million de tonnes. Peut-être 100 000 ou 1 million.
On fait un joker, c'est ça? Lequel? On prend un joker. Oui, mais lequel? 50-50, non? Ça ne nous aidera pas beaucoup. L'avis du public, alors? Peut-être... On peut peut-être... Oui, prenons le 50-50. D'accord. Ordinateur, 50-50. Voulez-vous retirer, s'il vous plaît, deux mauvaises réponses? Vous avez le choix entre 10 000 et 1 million. Peut-être 1 million, quand même. Bon, intéressant, mais 1 milliard, méga... Alors, l'intuition vous porte vers... Hein? L'intuition vous porte vers quelle réponse? L'intuition me porterait vers 1 million. Mais... On se retrouve à l'académie, ça. Moi aussi, je pense à 1 million. 1 million. 1 million. Disons 1 million. C'est votre dernier mot? Oui. Non, non. En science, le préfixe méga multiplie l'unité par 1 million. Et 1 milliard, c'est giga. Oui, je savais que c'était... Je pensais que c'était gigant, mais c'est giga. Gigantesque. Je savais que c'est giga, même. Sixième, huitième question maintenant, 12 000 euros. La femme qui aurait essuyé le visage du Christ lors de la montée au calvaire est Sainte Marthe, Véronique, Marie-Madeleine, Marie-Salomé. Bon, alors, c'est pas Marie-Salomé. Je ne crois pas que ce soit Marie-Madeleine. Moi, vous croyez que c'est Marie-Madeleine? Moi, je croirais que c'est Véronique. Mais, bon, je crois qu'on peut éliminer Marthe. Marthe et Marie, on peut éliminer Marthe. Ce n'est pas Marie-Salomé. Marie-Madeleine est au pied de la croix. Et Marie-Madeleine, c'est les parfums. Franchement, je suis pour Véronique. Moi, je suis pour... Laissez-nous réfléchir. Oui, on peut réfléchir. On peut même demander un joker. Hein. Vous n'allez pas consommer un joker si... Ah, non. Attendez, Jean de dit, franchement, je crois que... La a essuyé le visage du Christ lors de la montée au calvaire. Évidemment, ce n'est pas Marthe, ce n'est pas Marie-Salomé. Marie-Madeleine, elle essuie plutôt les pieds que le visage. C'est Sainte Véronique, je crois. Franchement, Marc, votre analyse est parfaite. Hein. Parfaite, je suis très fort sur ce sujet. Et vous me dites ? Je dis comme Jean. C'est mon dernier mot. Vous savez avec quoi elle essuyait, Marie-Madeleine ? Non. Plutôt avec ses cheveux. Oui. Donc c'est plutôt les pieds qu'elle essuyait avec les cheveux que le visage avec un voile. Voilà. Bien, c'est votre dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot. C'est notre dernier mot. C'est le dernier mot du monsieur. C'est le dernier mot de Jean. La femme qui aurait essuyé le visage du Christ était Sainte Véronique. Bonne réponse. Merci, Sainte Véronique. L'empreinte du visage du Christ, d'ailleurs, est appelée la Véronique. Oui. Et qui est conservée à Saint-Pierre de Rome. 24 000 euros, voici la question. Achevée au XIIIe siècle, la construction de la forteresse du Louvre fut décidée par Philippe Auguste, Saint-Louis, Philippe IV le Bel, Jean II le Bon. Oh, ben ça, j'ai eu la chance de visiter le Louvre et... Oui, mais bon. Ça, j'ai été une ou deux fois au Louvre, peut-être. Et vous savez, quand on descend, c'est très très beau en dessous. Il y a les fondations et je crois me rappeler, mais je peux me tromper, je crois me rappeler que on parle du Louvre de Philippe Auguste. Je crois qu'on parle du Louvre de Philippe Auguste. Mais c'est sûrement pas Jean le Bon. Et Marc, ça te revient à l'esprit aussi un peu, non? Et vous, ça vous dit la même chose? Il me semble aussi. Ça vous semble aussi? C'est marrant. Si c'est Jean le Bon qu'on nous pardonne, mais ça m'étonnerait. Ah non, mais on dit les chanteurs, la culture. Enfin, Marc, ah, bravo, oui. Chapeau. On n'est pas là par hasard. Hein. Non, on est les meilleurs.
Est-ce que c'est notre dernier mot? C'est notre dernier mot, oui. C'est notre dernier mot. Il s'agit du Louvre de Philippe Auguste. Voici le deuxième palier tant convoité, 48 000 euros, avec cette question. Laquelle de ces propositions est erronée? A. Un col chic. Immétable. Le lèche-frites. Avant-centre. Bon, alors laquelle est erronée? Alors, non, ça, on va raisonner là-dessus. Ça nous, si vous nous donnez 20 minutes, on bien va, sûr, on pas va problème. Sentir. Alors, un col chic, c'est bon. Ou une col chic. Ah, non, c'est là un col chic, mais. Le col chic, il y a un poème très connu. Col chic dans les poèmes. Mais malheureusement, c'est au pluriel. Un col chic, un métable, le lèche-frites avançante. Bon, le lèche-frites, est-ce que le lèche-frites prend un tiret? Les tirets, c'est... Voilà, je ne sais pas si le lèche-frites prend un tiret. Avant-centre, comment vous décrivez ça? Avant-centre... Non mais réfléchissez tout seul, non? C'est footballistique, j'imagine, l'avant-centre, non? C'est quoi? Avant-centre, je le mettrais... Je ne peux pas téléphoner à... Vous avez, il vous reste deux jokers, mais enfin bon, il là c'est compliqué parce que... Le lèche-frite. Je connaissais même pas le lèche-frite, moi je sais pas ce que ça veut dire. Le lèche-frite. Ça veut dire quoi le lèche-frite? Le lèche-frite, c'est toujours de cuisine, non? Non? Je pense que c'était... Alors prenez un joker, prenez un joker. Non, attendez. Le lèche-frite, je me demande s'il faut un tiret ou pas. Immétable, est-ce qu'on dit immétable? On dit immétable, oui, on dit immétable. On dit immétable, mais oui. Est-ce que ça s'écrit immétable? Il faut deux T, sûrement. Immétable. Le lèche-frites, c'est la grille qu'on met dans le four. Ah. La grille. Donc il y a un tiret, lèche-frites. C'est pas un seul mot. Ah. Lèche-frites. Appelez un ami, appelez un académicien. Paul lèche-frites. Ou on prend l'avis du public. Ou l'avis du public ou un... Non, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais la 4, oui. Attendez. C'est-à-dire, c'est difficile de savoir à qui téléphoner, parce que j'ai un ami qui... ou une amie qui connaît les plantes. J'ai un ami qui connaît la cuisine. J'ai peut-être un ami sportif. Et ça ne résoudra pas tout à fait le problème. Je comprends. Vous comprenez ce que je veux dire? Pardon, monsieur, vous êtes de passage dans le secteur? D'ailleurs, je suis désolé, Jean, il faut que j'y aille, je vous laisse. Alors, moi, je pense que c'est la 4. Prenez le vote du public, prenez un joker. Attendez, lequel? Moi, je pense que c'est le 4, mais... Le numéro 4, je crois. Moi. L'avant-centre? Oui. Pourquoi il y aurait un S-A-Centre? Ou un téléphone? Donc c'est pas ça. L'avant-centre, vous pensez? Ben je pense parce que... Mais... Je me rallie à... Au panache de Marc. Que faites-vous? Je vais prendre le joker, peut-être. Lequel? Le 50-50, on l'a déjà pris. Oui, oui, oui. On va prendre depuis la vie... Appelez qui? Est-ce qu'on non, prend... Non, l'avis du public. Public. Ah, oui, on prend l'avis. S'il vous plaît, public, à vos télécommandes. Au moins. Laquelle de ces propositions est erronée? Un col chic, un métable, le lèche-frites ou avant-centre? Vous votez maintenant si vous savez. Merci. Au moins, on a un alibi. Moi, tout à fait. Si on se trompe, 66, c'est beaucoup, hein. Bon, ouais, moi, je sais ce que je... 66 pour ça, comment bah, Marc... Non, mais on va suivre. On attention, va suivre. Mesdames, messieurs, Marc va dire quelque chose de formidable. C'est ce que tu pensais. Non, j'ai dit, je pensais que le public allait bien m'aider, nous aider. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites le mercredi à l'académie? Le mercredi? Oui. À l'académie? Oui. C'est jeudi. C'est jeudi. Voilà la réponse. Merci. Ça m'évite de répondre. Allez, prenez votre joker au téléphone, allez. Non, je crois qu'on va finir avant-centre. Non.
On prend le joker du téléphone. Hein, hein? Qui voulez-vous appeler? On appelle Sabine. On appelle Sabine. Bien. Allô? Oui, oui, bonjour. Bonjour. C'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil, bonjour. Bonjour. Je suis avec Jean d'Ormesson et Marc Lavoine qui souffrent énormément à cause d'une petite question. Voulez-vous les aider? Si je peux, avec plaisir, oui. Merci. Alors, Marc va parler fort. Alors, attention, y a voici la question. Alors, laquelle de ces propositions est erronée? Un col chic, le lèche-frite, immétable avec deux M ou avant-centre avec S à avant et S à centre? Immétable, deux M, col chic, un ou une, le lèche-frite. En un seul mot. En un seul mot, ou avant-centre au pluriel. Vite, s'il vous plaît. Lèche-frite en deux mots? En un seul mot, il est. Moi, je mettrai en deux mots. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je mettrai en deux mots. Alors voilà. Vous dites donc. Alors on change d'avant-centre en col chic. Voilà. On ne tient pas compte du public. En lèche-frite. C'est le public ou bien Sabine. Et qu'est-ce que vous feriez? J'aurais tendance à suivre Sabine, moi, mais... Des centres. Les centres. Comment est-ce que... quand même, le public doit connaître le... Des avants, ça prend un S, c'est sûr. Des avant-centres. Lèche-frite, peut-être qu'il y a... Ah, peut-être que lèche-frite y a un tiret. Ça, c'est vrai que un seul M ou une colchique. Évidemment. Enfin bon. Est-ce que nous prenons le risque d'aller contre l'avis du public? Je sais pas. Je sais pas. Alors, colchique, c'est correct. Immétable, c'est correct, à mon avis. On dit immétable, mais ça doit être écrit immétable. Quelle est votre réponse? Je pense. Bon, moi, je ne vous le dirai pas, moi. Hein? Moi, je partez, dirai... si vous avez un doute. Ouais, a... Partez avec 24 000 euros, si vous avez un doute. Est-ce qu'il vaut mieux partir avec 24 ou... Casse-toi, bordel. Je pense... On s'en va. Alors, hein? Sabine, elle vous dit lèche-frite. Ou vous avez confiance en Sabine, ou vous n'avez pas confiance en elle? Ouais, moi, j'ai confiance. Ouais. Alors? Moi, je dirais lèche-frite. Alors? Moi, je dirais lèche-frite. Ouais. Lèche-frite. Lèche-frite. C'est votre dernier mot? Oui. C'est notre dernier mot. On a confiance. Ah, ben, Sabine. Et avec 66% du public qui vous dit avant-centre, vous me dites lèche-frite et vous avez raison! Et en fait, c'est pas en deux mots, c'est une lèche-frite. En un seul mot. Ah, c'est pas le tiret. Il n'y a pas le tiret, c'est une, c'est féminin. Oh, on a donc... On ah s'est... oui, dans une chanson de Brassens, dit Véronique. La lèche-frite... Ah, mais ça avait Véronique depuis le début, ça, c'est vrai. Ah oui, je vous ai appelé Brassens, je vous ai dit appeler Brassens. On a gagné pour de mauvaises raisons. Oui. Oui, non, pardon, on a gagné. Vous avez gagné 48 000 euros, 314 859 francs. Voici la question numéro 11. Attention. Dans la célèbre émission pour enfants, qui est le propriétaire du manège enchanté? L'agent, vous devez savoir. Le père Tulipe, le père Pivoine, le père Bleuet, le père Pâquerette. Je sais pas. Aucun risque là, les 48 000 sont acquis. Donc, de toute façon, les 48 000 sont acquis. Exact. Donc, même ne sachant rien, on répond au hasard. Mais, bah, et on a... Si on répond, on se trompe pas. On a quoi encore? 300 et quelques mille. Non, comme joker. Comme joker, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ah, il n'y en a plus. Eh non. Alors, Marc. Moi, j'aurais tendance à... Je dirais Pâquerette, moi. Pâquerette. Je dirais ça, moi. Mais, voilà. C'est l'hésitation. Pâquerette vous dit quelque chose? Pâquerette ou tulipe? Alors, on choisit, on fait... Allez, jetez-vous à l'eau. Voilà. Tulipe, le père Pivoine, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas honte de le dire. Moi non plus, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dirais la pâquerette, moi. Pâquerette.
C'est votre dernier mot. Oui. Je vais faire pas crête. Oh bien, oui. Je vais faire pas crête. Dans le manège enchanté. Oui. Le patron du manège enchanté. Oui, c'est, une... c'est le père Pivoine. Oh. Vous gagnez 48 000 euros pour les pièces jaunes, 314 859 francs. Merci Marc, merci Jean. Dans un petit instant, Véronique Jeuneste et Michel Leb vont jouer avec vous, tout de suite après une courte pause. A tout de suite pour les millions. Dernier couple pour cette émission spéciale pièces jaunes. Je vous rappelle que les pièces jaunes, c'est jusqu'au 28 février prochain. N'oubliez pas de les donner, les pièces en francs ou en euros. Les tirelires sont à votre disposition un petit peu partout, notamment dans les bureaux de poste. Applaudissements pour Véronique Jeuneste et Michel Leb. Regardez comme il est mignon. On est content de faire cette émission. On est heureux parce qu'on est décontracté. On est pas stressé, nous, tu vois. Nous, nos copains sont passés avant, ils ont été brillantissimes. Ouais. Nous, on va être formidables. Ça va être... Puis on est cool, on est relax, on est très bien. Moi, j'ai tout le stress des trucs avant, tu vois. Mais pas du tout, moi, je suis cool. Vous voulez voir la pyramide, vous voulez commencer directement par les questions. Moi, je vais commencer par là, 1 million. Non, c'est bon. Vas-y, c'est bon. On peut descendre. On démarre. Vas-y, roule. Tu vas voir. Mesdames, messieurs, avec Véronique et Michel Leb. Alors que la pyramide s'égrène devant vous, voici donc. Qui veut gagner des millions ? Moi ! 200 euros. Depuis 88, un pont relie notre continent à l'île de Ré. T'en fous, moi je sais pas. Mi. Attends. Fa. Moi je sais pas. Hein. Ça, tu connais la musique, toi, non ? Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Très juste, alors c'est alors. Vas-y. On se lance, hein. Vas-y. Allez, Ré au hasard. Excellente réponse. Ah, mais au hasard, hein. 300 euros question. Dans les laboratoires, les chercheurs font souvent des expériences sur des éléphants roses. Moi, ça m'arrive. Souris blanche, baleine bleue, ours brun. Mais tu connais des baleines bleues, toi ? On va appeler une baleine bleue pour ça. On va pas perdre de temps, on va tout de suite plaquer sur les souris blanches. Tu crois, t'es sûr ? Oui, allons-y. C'est ton dernier mot. Allons-y sur les souris. Excellente réponse, les souris blanches. T'es fort. Non, on est bon là. Hein. Ah, t'es fort. Jusque-là, c'est cool, on est relax. Tout va bien. 500 euros. Magnifique. Oh la vache. Par quelle expression les Belges terminent-ils parfois leurs phrases ? Ça, je sais pas une fois. Présentement, peu cher, n'est-il pas une fois ? Tu sais, toi ? Présentement, je suis sûr que non. Présentement, c'est pas présentement, là. Je suis persuadé que non. Tu viens peu cher ? Moi, je dirais non. Plutôt. Ils viennent pas deux fois, les Belges. Hein. Si. Ils viennent une fois seulement. Une fois. Excellente réponse, une fois. 800 euros, question. La voici. En 1984, qui fait scandale en brûlant un billet de 500 francs à 7 sur 7 ? Serge Gainsbourg, Michel Polnareff, Alain Delon, Daniel Balavoine. C'est lequel qui avait le plus de pognon ? Serge Gainsbourg, il avait pas mal de... Hein. Ouais, c'est Gainsbourg. Puis c'était son truc, hein, quand même. Ouais. Gainsbourg. Bonne réponse, bien sûr. Gainsbourg. Non, mais on est relax, on est jusque très décontracté. Cool, hein. Non, attends, mais on est. On peut recommencer à 200. Irréprochable. Premier palier, voici la question. Voilà. Tenez. En France, le département du Gers est réputé pour son camembert coulant, oui. Son foie gras, oui. Son cidre doux, son nougat glacé. Putain, c'est sûr. Ah, son foie gras. D'habitude. Ah, ouais, attends. C'est mon péché, moi. C'est le foie gras. Eh bien, premier palier, 1500 euros. Il y a du Gers. Ouais, oui. Bon, ça se corse, là. Une question sur la corse. Alors oui, comme vous dites, ça se corse aussi le deuxième tiers avec cette question. Ah là 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 là. Comment appelle-t-on un énoncé synonyme d'un autre énoncé ? C'est déjà que ça veut dire la question. Comment appelle-t-on un énoncé synonyme d'un autre ? Oh, voilà. Est-ce que c'est un euphémisme ? Calme-toi. Est-ce que c'est une métaphore ? Calme-toi. S'agit-il d'une paraphrase ou d'un pléonasme ? C'est ça, toi. Ah oui. C'est pas un pléonasme. Si ? Bah si. Si ? Comment appelle-t-on un énoncé synonyme d'un autre énoncé ? Ah ouais, tu fais un pléonasme. Ah oui. Tu dis la même chose deux fois. Oui, ça je sais. La même manière, d'une autre manière, mais c'est la même chose. Tu dis la même chose deux fois. Pléonasme. Ça pléonasme d'ailleurs.
pense. Mais pour moi, un pléonasme, c'est quand, par exemple... C'est quand tu dis deux fois la même chose. Ouais, mais dans un énoncé. Tu énonces une question. Oui, non, mais quand tu dis... Ah non, une énoncé de phrase, tu veux dire, ouais, alors c'est un pléonasme. Tu dis la même chose deux fois de la même manière, différemment. Synonyme. Non. Mais si t'es synonyme, tu pléonasme. C'est amusant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, oui. Prenez un joker. Parce on va boire un coup parce qu'on pourrait discuter. Parce que moi, ça me plaît bien cette conversation. Non, mais ouais. C'est pas un euphémisme. Non. C'est pas une métaphore. Ah, c'est une métaphore. Non, bah non, une métaphore, non. Comment appelle-t-on un énoncé synonyme d'un nom? C'est une métaphore. C'est pas un parachute. Une métaphore, c'est pas mal, une métaphore. Ah, tu vois, je commence à te faire douter, j'aurais dû fermer ma... Mais prenez le 50-50 déjà pour voir, parce que là, il y a le doute. Ouais, mais attends, s'il nous laisse une métaphore, un pléonasme, alors, hein, on fait quoi? Ah, bah ça va on perd un joker, ça sera ta faute. Non, 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 c'est pas mal. L'agresse toi, pas, parce qu'après, il va nous en balancer des sérieuses. Toi, je t'ai vu. Non, l'agresse pas, c'est cool. Pléonasme. Pourquoi moi, j'avais demandé à être avec Dormesson, ils ont pas besoin, pourquoi? Non mais attends, excuse-moi, mais Dormesson sur les Pokémon, il est nul. Sur les Pokémon, mais pas sur... Et sur le manège enchanté aussi. Alors attends. Moi je savais que c'était 50, M. Pivoine. Ah oui, 50-50. Ordinateur, voulez-vous, s'il vous plaît, retirer... Ça, seul, 50 jokers. Voulez-vous retirer deux mauvaises réponses? Voilà. Tu vois que j'ai eu raison de te faire douter. Parce qu'en fait, toi ce que tu dis... moi je pense que c'est un euphémisme. Ah non. Oh non. Bon, je vais appeler... ma grand-mère. T'as quelqu'un à appeler? Bah, et on peut pas s'arrêter là, c'est pas possible, tu te rends compte, il faut quand même. C'est pas possible, on peut pas s'arrêter là, faut continuer. Qu'est-ce qu'un euphémisme d'abord? Un doux euphémisme. C'est un doux euphémisme. Comment appelle-t-on un énoncé synonyme d'un autre énoncé? Eh ben, c'est un euphémisme. Eh ben, c'est ça, on sait, elle a raison, Mimi, on la sait la question, c'est pas peine de répondre. Euphémisme. Dis-nous la réponse. C'est un euphémisme. Bah non. Est-ce que par exemple, une poule pourrait l'avoir fait? Un euphémisme. Tu me dirais pas. Et est-ce que tu me répondrais pas? Je te parle des poules. C'est un euphémisme. Donc c'est un euphémisme. C'est l'autre, c'est un paraphrase. C'est pas une paraphrase. Ça serait plutôt une paraphrase. Hein? Pas un euphémisme, par exemple. Hein? Ça serait plutôt une paraphrase. Tu veux être toute seule? Fais-le toute seule. Non. Tu veux qu'on appelle quelqu'un? On peut appeler Jean-Pierre Foucault? Non, on appelle personne. Je le connais bien. On appelle personne pour le moment. Gardons nos cartouches. Un euphémisme. Moi, je dis rien, on perd, là, on est ridicule, mais c'est toi qui es ridicule, non, hein. Je pense pas. Moi, je dis une paraphrase. C'est votre dernier mot? Moi, je dis un euphémisme. Moi, je dis c'est mon dernier mot, c'est une paraphrase. Oh là, trop tard, c'est dit. Non. Désolé, c'est la règle du jeu, je suis intraitable. Non. Vous avez dit... C'est moi qui ai été ridicule, non, comme ça. Vous avez dit paraphrase, c'est mon dernier mot, Michel disait euphémisme, mais c'est Véronique qui a dit c'est mon dernier mot. Ah oui, c'est mais... ainsi. Pas, mais c'était juste pour dire ça. Non. Il faut pas dire ça. Et non, là, je suis vraiment désolé, mais je suis obligé d'appliquer la règle. Eh ben, applique la règle, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On ne peut pas téléphoner? C'est foutu? La réponse était paraphrase! Merci, Mimi! Moi, le plus mauvais. Tiens, j'ai vu, je te vois. Il m'emmène, lui! Mais attends, un coup de peau que t'es tombé dessus, c'est un grand coup de peau, quand même. Ce n'était pas un euphémisme! C'est un euphémisme de dire que c'est un coup de peau! Bon, alors, question, 6000 euros. Super. Bravo. Lors des JO de 96, qui allume la flamme d'Atlanta? Ah, tu sais, c'est... Carl Lewis. Non, je commence à être traîné un peu. C'est Mohamed Ali qui fait... Michael Johnson. Joe Frazier. Calme-toi. C'est incroyable, c'est qu'elle est nerveuse. Mais calme-toi. Mais il est parkinsonien, Mohamed Ali. Mais pas en 96. Il a allumé la flèche qui a allumé le truc. Mais c'est pas en 96. Mohamed Ali, c'était en 2000. C'est Mohamed Ali. Hein. 96? Ah ouais. Bon, c'est pas Joe Frazier, c'est pas Michael Johnson. Moi, je pense que c'est Mohamed Ali. Mohamed Ali, allez, moi aussi. C'est votre dernier mot? Enfin, moi, c'est mon dernier mot. Maintenant, il fait ce qu'il veut. C'est mon dernier mot. Aussi. Non, il fait vraiment ce qu'il veut. C'est mon dernier mot. T'es sûr? Ah oui, mais le problème, c'est attends, un problème... c'est moi qui dois le dire. Attendez, c'est un problème de date. En effet, 96. Ah oui. Et en 96, c'était Mohamed Ali. Ah. Non, mais on est d'accord. J'étais d'accord avec toi. Ouais, 12 000 euros, voici la question. Compléter les feuilles mortes de Prévert. Et la mer efface sur le sable les pas des amoureux transis, fiancés à vie, époux étourdis,
amants désunis. Quatre, sans aucune. Sans aucune, sans rien, sans aucune. Et la mer efface sur le sable. C'est notre dernier mot. Le pas des amants désunis. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Bonne réponse. Neuvième question, 24 000. S'il vous plaît. Permettez qu'on discute. Attends, on a accepté de venir, accepte qu'on parle. Déjà, c'était pas cool. La partenaire de Nicholson dans le facteur somme toujours. Je sais, mais ne le dis pas avant. Kim Basinger, Jessica Lange, Charlotte Rampling, Julia Roberts. Jessica Lange. Jessica Lange, je suis d'accord avec mon copain. Dernier mot. Ouais. Dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est bien sûr Jessica Lange. Il y a surtout une scène dans la cuisine. Oh, ouais, c'est pas vrai, cette scène dans la cuisine, elle est extraordinaire. Nicholson, dans la farine. Hein? T'aurais aimé être Nicholson dans cette scène. Probablement, oui. Moi aussi. Moi aussi. 48 000 euros. 48 000 euros, ouais, question. Hey, attendez, c'est le deuxième palier, il vous reste deux jokers. Dans Mille et une pattes de Disney, le terrible chef des sauterelles s'appelle Le Manchot. Le chauve, qu'est-ce que c'est, le borgne, le boiteux. Alors là, la maman de Sam devrait pouvoir répondre, non? Non, parce que je n'ai pas vu celui-là. Oh là 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 là. Ça y est, non, je n'ai pas vu. Non, ça, c'est galère. Je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Et moi, j'ai vu un autre, mais ce n'est pas celui-là. Ça, je ne sais pas du tout, là. J'ai vu les 2002 pattes. Joker, alors. Demande au public. J'ai l'impression que ça serait le boiteux. Moi, on demande au public, allez. Oui. Mais je ne suis pas sûre. Alors, on va demander... Oh, non, au le public, si, il si, sait. Si, ah, oui. Il peut savoir, le public. C'est le public. Je pense qu'il sait. Ils sont jeunes, sympas. Ça serait le borgne. Tu crois on demande au public? Public. Public, télécommande, s'il vous plaît. Dans Mille et une pattes, le terrible chef des sauterelles s'appelle 1, le manchot, 2, le chauve, 3, le borgne, 4, le boiteux. Si vous savez, vous votez maintenant. Merci. Je crois que je sais, moi. Non, mais je crois que je sais, en fait. Je dis ça, mais je crois que je sais, mais je suis pas sûre. Alors là, je sais pas du tout. J'hésite entre 3 et 4, moi. Avec une tendance 3. Tu vois? Il répond 77% de borgne. Comme ça correspond à ce que je pense. Alors vas-y. Moi, je te laisse. Moi, je te dis, fais confiance. Je dis réponse C, enfin 3. Attention à ce que tu vas dire. Le borgne. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Elle dit c'est notre dernier et mot. Puis, si, elle si répond pour elle t'implique, moi. Oui. Tu comprends, c'est vachement dur. Non, t'es sûr. Hein. Ouais. C'est trop tard, tard. Public. Oui, embrasse-moi. Merci, public. C'est la borgne. Pas mal, David. Hein, on arrive. Hein. On arrive. Hein. Parce que le but, c'est quand même ça. Hein. Alors, pour les pièces jaunes... Non, on est relax, ah oui, le but, c'est ça, Michel. Tu as raison. Pour les pièces jaunes, les 48 000 euros, c'est fait. C'est gagné. C'est gagné. Oh, on est content. On sera pas ridicule. Ils ont fait combien, les autres? Bon, à peu près pareil. Question à 60... 12 000 euros. Lequel de ces pays nordiques... Ah, calme-toi. Mais je ne veux pas, c'est ce que je veux. Tu commences à m'énerver aussi, toi. Mais faut sauter comme ça. Mais elle saute sans arrêt. C'est insupportable. Lequel de ces pays nordiques n'est pas... J'ai un pacemaker, moi, faut quand même savoir. N'est pas un royaume. La Suède. Danemark. Le royaume du Danemark. Finlande. Norvège. Je pense qu'on peut réfléchir, mais... Non, mais tu penses tout bas. C'est mais pas... je pense tout bas. Non, mais ça m'énerve. J'avais pensé tout bas tout à l'heure. Là, j'étais en train de me concentrer. Là, tu hurles. Mais vas-y. Non, moi, je dis rien, je pense. Eh ben, moi, je dis plus rien non plus, voilà. Alors, on est bien avancé. Alors, éliminer, enlever les royaumes, là. Moi, je pense que le Danemark, c'est un royaume depuis longtemps. Donc, alors, on élimine le Danemark. Alors, bon, ben, maintenant, ça a peut-être changé. J'étais du temps de Tjaquespéar, c'était un royaume. Non, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Docteur, c'est aujourd'hui. Bah oui, lequel de ces pays n'est pas un royaume, la question est claire. Il a changé depuis l'Académie des Neufs, c'est insupportable. Moi, j'aurais tendance à opter pour la Finlande. Vachement agressif. On n'a rien dit. J'aurais tendance à opter pour la Finlande. Alors, mais regardez où il y a des rois, des reines. Que ça, est-ce qu'on fera... Tu veux qu'on appelle un ami? Attends, au Danemark, hein, c'est pas ça. La Norvège, il y a un roi. En Suède et en Finlande... Il y a une famille royale en Suède, hein, ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Hein. Alors, en Norvège, t'es sûr qu'il y a un roi? Oui, la Finlande. Vous... Moi, je mettrais la Finlande. Alors, soit on gâche un joker, on appelle un ami, soit on est sûr de notre truc, on dit la Finlande, et on s'arrête à 48 000 de toute façon. Non, moi, je voudrais continuer plus haut. Mais il faut être sûr de notre coup. Bah oui, mais on peut téléphoner. Mais on gâche un truc, t'es pas sûr. Mais vous risquez rien. Appelez Stéphane Bern. Non. Pourquoi moi, Stéphane je pense Bern que c'est même pas la peine d'appeler Stéphane Bern. Écoute,
Finlande. Mais tu vois pas qu'ils veulent pas, qu'ils nous soufflent des trucs pour pas qu'on les dépasse. Mais pas du tout. Mais je la connais, moi. Je crois pas. Je crois pas. Ils sont pas comme ça. Non, non. Franchement, ils sont pas comme ça. En plus, j'ai tendance à dire la même chose. Véronique, mettons la Finlande. On va mettre la Finlande, puis on garde notre joker pour après. Mais oui, parce qu'après, tu vas voir, on a l'impression quand on va être à 1 million d'euros, on va avoir besoin d'un mec pour super balèze. Pour avoir 2 millions d'euros. C'est votre dernier mot? Oui. Oui. Attends, il paraît que c'était la fille qui devait répondre. Et toi, tu alors, c'est une fille, c'est Madame Doubtfire. Oui, vas-y, ma chérie, vas-y. Ouais, non, c'est vrai. Je ne sais plus comment on s'appelle ici. La Finlande. Le quai de ces pays nordiques n'est pas un royaume. La gars. La Finlande. Hey, on est à 72 000. Hey, on va vous mettre. On est à 72 000. Grâce à vous. Je le dis, hein. Ouais, bah moi, je le dis. Voici 100 000 euros. Il y avait Rita qui me soufflait. Arrêtez, parce qu'après, vous allez prendre la gloire pour vous. 100 000 euros, question. Quel est le véritable prénom de Paco Rabanne? Nostradamus. Neneu. Nostradamus. Neneu. Francisco. Francisco Rabanne. Diego. Diego Rabanne. Eduardo. Eduardo Rabanne. Marco. Marco Rabano. Écoute, tu vois, moi je le connais, mais je peux l'appeler. Mais les Rabanne. Je n'ai pas son numéro de téléphone. Moi aussi, j'ai les Rabanne. Les Rabanne. Allez, avance. Alors, une autre question. Celle-là ne nous plaît pas. Il n'y a pas Nostradamo. C'est vrai, hein? Non, moi j'ai un pote, il peut pas répondre. Si je l'appelle, il peut pas. Il peut, pourquoi pas. Parce qu'il n'est pas culturé dans ces trucs-là. Non, moi j'ai un pote, il le connaissait bien, mais il est mort. C'est pas possible. Maintenant, puis on a pas donné, moi j'ai pas donné ce numéro de téléphone. Tu peux demander à Yves Saint Laurent, il doit savoir. Si j'appelle Guérin, moi il va me dire non, que tu m'embêtes avec tes questions. Appelle-moi, je sais pas, demande-moi Marco Polo ou. Marco Polo. Alors, il faut appeler quelqu'un. Alors là, c'est complètement potage, j'en ai absolument aucune idée. Si on répond et qu'on se plante, oui. On descend à 48, oui. C'est un peu con. Oui. Si mais on prenez, répond, on appelle un mais quelqu'un. Appelez quelqu'un, s'il est sûr. S'il n'est pas sûr, vous ne prenez pas de risque après. Mais qui sait comment il s'appelle Paco Rabanne? Non, mais attends. Non, mais de quelle origine Paco est-il probablement? Il faut d'abord se poser la question. Est-ce qu'il est italien tchèque. Mais il est français, puis il a pris un nom comme non, ça pour non. Avoir l'air de. Mais non, puisque regarde Francisco, Diego, Eduardo, Marco, toute la famille est arrivata qua. Pazza, vai, fanculo, questa roba, questa cazzo, sta mia, adesso ci sta pantando. Paco Rabanne, quello là, è. C'è la mafia, c'è la mafia. Paco, c'est pas, ça pourrait être le diminutif de quoi, Paco? Paco, c'est espagnol, non? Francisco. Foucault, c'est quelle origine? Foucault. Non, parce que Foucault, Foucault, ça s'écrivait peut-être pas comme ça. Hein? Oh, Foucault. Ça s'écrivait Foucault, Foucault. Foucault. Non, c'est Jean-Pierre Foucault. Pas Jean-Pierre Foucault. C'est pas pareil. Oh, mais non. À l'Académie des Neufs, il était cool, il n'arrêtait pas de nous planter. Là, il peut pas, là. Ah oui, tu te allez, rappelles, Jean-Pierre, un coup, oui. Souvenir de l'Académie des Neufs. Oui. Et on tu ne pourrais pas cligner de l'oreille gauche, si c'est un, l'oreille droite, puis du reste. Ah ouais, d'accord, ouais. Qu'est-ce qu'on a le droit pas, on n'a plus le droit qu'à un joker. Un coup de fil, il faut le passer c'est maintenant. Alors, passe un coup de fil, vas-y. Passe un coup de fil. Mais attends, ils ne sauront pas. Moi, j'ai personne qui sait ça, à part moi, Paco. Mais j'ai pas le numéro de Paco. Alors, qui on appelle, Michel? Bah, on va appeler Étienne, parce que. Étienne. Mais Étienne, il ne saura pas. Mais attends, t'as on est obligé d'appeler quelqu'un, hein? Il n'est pas joignable, il m'a dit. Mais si, si, vas-y, on va se débrouiller. Mais Étienne, s'il ouvre le dico. À la bonne page. Ah, ça, Dico, qu'est-ce que tu fais? C'est une indication, ça, Dico? Non, non, mais non, mais non, mais je te vois, là. Dico, Dico. Diego, Diego. Non, ah, pas. Diego. Non. Bon, alors, on va appeler Étienne. Étienne, allons-y. Étienne, allô, Étienne. Il ne va pas savoir, c'est un mec trop culturé. Qui est Étienne? Qui est Étienne? C'est un ami très culturé, très brillant, très intelligent et qui ne saura pas. Et qui c'est Étienne? Mais parce que Étienne, c'est un pote à moi. Et Étienne comment? Allô? Bloc. Étienne? Oui? C'est Jean-Pierre Foucault, bonsoir. Oui, bonjour. Je suis avec Véronique Genest et Michel Leeb et nous avons une question qui couvre votre domaine de compétences. Ah, pas du tout! Ça reste à démontrer. Pas du tout, alors. Attention, voici la question. Alors, je pose la question à Étienne. Écoute-moi bien, tu sauras pas, mais c'est pas grave. Quel est le véritable prénom du couturier Paco Rabanne? Francisco. Écoute-moi bien, Francisco, Diego, Eduardo ou Marco? Je n'ai pas la moindre idée. Mais je sais bien, Diego, mon vieux. Diego, Eduardo, Marco. Francisco, Diego, Eduardo ou Marco? Son prénom c'est Paco. Pas son prénom là. Oui, mais, oui, non mais. T'as compris? Maman. Aucune idée, je dirais.
Paco, c'est quoi? C'est fini. C'est fini. C'est parti. C'est nul. Alors, attention. C'est trop une question con. Il n'y a pas 50 solutions. Je savais qu'il pourrait pas répondre, Étienne, mais qu'est-ce que tu veux? On est obligé. Où vous prenez le risque? On va y aller au pif, quoi. Attends. Si tu vas au pif, tu perds. Non, on s'en va. Il faut partir avec les 62. Il faut partir avec les 500 000 francs. Il faut partir maintenant, non? Bah oui. J'ai compris. Non, mais je te dis. Est-ce qu'on peut, pour rigoler, dire après? Il veut qu'on se casse, c'est tout. Il veut pas qu'il ait assez vu. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'après le. Non, bien sûr. Tu veux dire, moi, j'aurais dit ça. Bien sûr. Bon, alors qu'est-ce que tu aurais dit? De toute façon, j'en ai tapé. Mais quelle est la décision que vous prenez? Est-ce qu'elle est énervante? T'as pas peut-être tout le temps. Je prends pas de décision parce que je veux partir. Donc vous partez? Elle veut partir? Ouais. Tu veux partir? Ah, bah attends, moi, je veux pas risquer de perdre. Moi, je pars aussi. Allez, je veux pas risquer de perdre le pognon pour les gens. Est-ce que c'est votre dernier mot? Évidemment. Bravo! 72 000 euros! Magnifique! Bon, moi j'aurais dit. Francisco! Moi j'aurais Attends, dit. Regarde la question. Alors. Attention. La question était la suivante: quel est le véritable prénom de Paco? Qu'est-ce que vous auriez dit alors? Moi j'aurais dit Francisco. Moi j'aurais dit Diego. La réponse était Francisco! Tu te rends compte? Parce que quelque part, je crois que je le savais, mais je ne voulais pas risquer. Francisco Rabaneda Cuervo. Non, c'est pas grave. Je sais. Non, mais je le connais. Alors, quelque part, je me disais, je crois le savoir. Mais je ne peux pas risquer. Je ne peux pas risquer le pognon comme ça. Et bravo. En tout cas, bravo à vous. Je voudrais que l'on applaudisse l'ensemble des artistes. Venez. Qui ont remarquablement joué ce soir. À qui veut gagner les millions? Bien. Qui veut gagner des millions avec les pièces jaunes jusqu'au 28 février? Regardez le chèque que nous allons offrir. 240 000 euros. Génial. Merci à tous. 240 000 euros grâce à vous toutes et à vous tous pour les pièces jaunes. Félicitations à toutes et à tous. Merci d'avoir joué le jeu. David, un petit mot. C'est quand même magnifique, non? Moi, je voudrais remercier tous les amis. Merci à vous. Vous avez été extraordinaires parce que les petits bouts qui sont dans les hôpitaux et qui nous regardent peut-être ce soir doivent être contents parce qu'ils vont avoir de beaux cadeaux. Ils vont avoir une vie qui va s'améliorer encore de plus en plus. Et puis, c'est grâce à vous. Alors, merci du fond du cœur. Vous êtes des amours. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci. À très bientôt. Et n'oubliez pas les pièces jaunes jusqu'au 28 février. Bonsoir.